Fred, Jamy, Sabine. Bah où est-ce qu'ils sont? Mais c'est pas sérieux ça, y'a personne. L'émission elle est commencée, y'a personne. Là-dedans non plus, y'a personne. Oh là 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 là, c'est moi qui vais présenter. Bon, ok, d'accord. Marcel, tu m'ouvres s'il te plaît? Je sais pas où on va, mais... Aïe, mes cheveux! Mais on y va. Oh là là, ça sentirait pas le bêtisier tout ça. D'être à la campagne, les cocotiers non plus, peut-être à la montagne. Ben non. Vous seriez resté à Paris, j'y crois pas. Bon, je vais demander à Marcel. Marcel, Marcel, ouh, oh, ce qu'il est beau ton camion. Bon, tu sais où ils sont les sorciers, toi? Marcel? Qu'est-ce qu'il fait, Marcel? Bon, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ils sont en salle de rédaction en train d'écrire l'émission. Je rêve. Ah, mais c'est pourtant vrai, je reconnais les bureaux. Et puis je les vois tous, là, mais qu'est-ce qu'ils font? Relâchement musculaire. Eh ben c'est ça votre boulot du jour, relâchement musculaire. Bon dis donc Fred, ça va bien, on vous cherche partout avec Marcel. Je peux pas faire l'émission toute seule. Ben moi je trouve que tu le fais très bien. Et en plus de ça, ça m'arrange un peu parce qu'on est en pleine réunion scénario. D'ailleurs je te rappelle quand même que c'est nous qui t'écrivons les textes. Oui mais bon quand même, j'aurais écrit aussi un peu. Et puis en plus de ça, pendant ces réunions, eh bien on fait toutes les transitions entre chaque séquence. C'est bien. On peut lancer la petite voix en disant « Tiens Fred, maintenant, si tu descendais, la tour Eiffel en rappelle. » Oh là, me lance pas trop fort, toi, là-bas. Dis donc Fred, si tu descendais, la tour Eiffel en rappelle. Voilà, ça y est, c'est fait. Espérons qu'aujourd'hui, il n'y aura pas le baron noir pour passer entre les arches de la tour Eiffel, sinon on n'est pas très bien. Hé, regardez où je suis, vous me voyez? Oh bah oui, on te voit Sabine, t'es sur une éolienne. Hé, hey, pas cap que tu la descendes en rappel toi aussi. Une petite ville de 25 600 habitants exactement et encore sans la chauffer. C'est donc... Bah qu'est-ce qui t'arrive? Attends là, j'ai un souci là. Qu'est-ce qu'il y a? Comment je fais maintenant? Ah bah tu te débrouilles hein. Les gars là-haut, j'ai plus de cordes. Comment je fais, j'ai plus de cordes? Ok, c'est parti. Ah bah ça c'est quand Fred faisait de la Formule 3000. Allez les amis, j'attaque. Oh, j'ai l'impression que je vais faire un tête à queue. En versant, non? Jamy, je crois que j'ai fait une sortie de piste. Voilà là-bas. Allez, c'est parti, Sabine. Touche tous. Eh, c'est la musique qui fait tout, hein. Dis donc, qu'est-ce qu'elle va vite? T'as pas entendu un bruit? Si, si, peut-être. Bah, qu'est-ce que tu fais, Jamy? Bah, je m'entraîne à faire du parachute. Il paraît que le plus impressionnant, c'est de voir les autres partir. T'as l'air d'avoir un peu la pétoche, toi. Hein. Salut, Antoine. Oh, il est parti. Il est parti. Oui. C'est drôlement impressionnant, Jamy. C'est vrai, c'est impressionnant. Allez, à toi. Vas-y. Un, deux, trois. Ouais, c'est dingue. T'as fait une avancée. Tiens, on dirait que Sabine, elle préfère jouer avec les dauphins. Waouh, génial, Sabine! On va y aller? Allez, on descend. Ouah! Oh, Fred, je suis en bas, tu peux venir quand tu veux. C'est bon là? Ouais, mais vas-y, passe un pied en dessous. Oh là 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 là. Allez. Voilà. Voilà. Tonneau. Alors comment tu te sens? On peut subir des accélérations qui peuvent aller jusqu'à 7G. Démonstration. Il n'a pas l'air bien. Hein. Oui. Et Fred, ne fais pas un petit vomi, hein? 5G, voilà. 5G, je note. Oh, les tonneaux, c'est sympa, hein? Et quand les sorciers okay. se mettent à faire la course sur chaussée mouillée, voilà ce que ça donne. Bon, allez, ça suffit, les garçons, arrêtez de jouer avec ce camion. Oh,
petit bébé. Oh, bah ça, c'est la fois où Jamie a demandé à Fred d'escalader une cascade gelée. Oh la vache, le bloc! C'était pour quoi faire, déjà? Tout ça pour aller chercher des glaçons! Ah, d'accord. Enfin bon, en téléphérique, c'est peut-être plus simple pour aller en haut de la montagne, c'est sûr. Et tu peux pas voyager comme tout le monde, toi, hein? Ah, non, non. Je suis là! On t'a vu! Wow! Jamie! Je suis là! On t'a vu! Tu peux y aller! C'est du solide! Ah bah, vaut mieux, hein, c'est le pont de Normandie, chouchou. Je peux vous garantir que de là-haut, on a une vue absolument superbe. On prendrait bien une petite tasse, hein. Bah, allez, les gars, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le thé sur un transat ou quoi? Une petite goutte de thé, la petite voix? Non, c'est gentil, j'ai pas le temps, là. Vas-y, tourne. Allez, moteur. Oh là, ils sont en train de tourner, super. Excusez-moi de vous déranger. Coucou. Ah, bonjour. Oh, salut, la petite voix. Salut, t'es qui? Tu fais quoi, toi? Bah... Non, la petite voix, c'est pas le moment, là. On est en pleine prise. T'es dans le champ. Pousse-toi un petit peu, là. Oh là, pas cool, oh là là. Oh bah, moi, j'y retourne quand même. Il a l'air sympa, le caméraman. Excuse-moi, s'il te plaît. Tu peux me regarder, s'il te plaît? S'il te plaît, tu peux me regarder? Ouais, super. Ça t'arrive souvent de filmer sur une échelle? Oui, souvent, oui. Tu veux dire d'une échelle? D'une échelle. Oh, non, mais la petite voix, le haut d'une échelle, c'est très confortable, hein. Et puis, ils adorent ça. Si tu savais où on les met parfois. Ah, oh, bah, t'as raison. Là, c'est notre Dédé qui filme du haut d'une grue. Waouh, faut pas avoir le vertige, moi, je pourrais pas faire ça. Hein. Oh non, 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 non. Oh là, oh, oh. Oh, oh, oh. Et ça, c'est Arnaud. Son cheval s'est emballé alors qu'il était en train de filmer. Regarde. Il va prendre la caméra. Oh là, oh là. On a un pont sur ce coup-là, les amis. Non, regardez ça. C'est du vrai, c'est pas de la cruche. Eh ouais, c'est du vrai. Et elle est pas mignonne, l'équipe, avec une Charlotte sur la tête? Je suis pas mécontente d'être qu'une voix, des fois. Alors, ça mord? Ah ouais. La prise de son, c'est pas facile, hein. Allez, mouline. Et puis, faut pas s'en mêler les pieds dans les fils, sinon ça fait basculer la caméra et tout et tout. C'est la panique. Ça tourne. Action. Oh, c'est joli. Oh, bonjour, c'est donc Jean-Pascal en direct de l'hôtel sur les bords de Loire. Et je tenais donc à vous montrer les bords de Loire. Là. Et donc les bords... de Loire. J'adore. Et j'ai en plus. Ah. Double avion. Bon alors, et Jamie dans tout ça, où est-il passé, hein? Jamie. Monsieur l'ingénieur du son, vous avez vu Jamie? Il est là. Où ça là? Oh non. Il a pas bonne mine, le petit coco, hein? Mais c'est pas Jamie, ça. Ah oui. Ah, mais c'est pas Jamie non plus, c'est Sabine, j'ai reconnu. Physionomiste, la petite voix. Oh, joli pavillon. De banlieue. Bon, dis donc, Jamie, où? Jamie, attention! Oh, la petite voix! Oh, tu m'as reconnu, hein? Bah, évidemment! Bon, alors, qu'est-ce que tu fais là avec David? Là, on fait le pont! Le pont? Vous faites le pont? Ah, bah, je comprends mieux maintenant pourquoi je fais l'émission toute seule! Mais non, on fait les maquettes du pont de Millau! Et là, on s'occupe des piles, avec David! Il y a des piles dans le pont, je savais pas! Mais non, les piles qui vont soutenir le pont! D'accord! Bon, alors, David... Comment ça se présente, là? C'est vrai que les maquettes, c'est l'affaire de Jamie et David. D'ailleurs, le grand-père de Jamie, Théodule Gourmaud, était déjà un spécialiste. C'est lui qui a inventé le bras à saluer de la reine d'Angleterre. Merci beaucoup. Quel talent. Drôlement fort, ton grand-père. La machine à dire au revoir, il l'a pas inventé. Mais si, il suffisait de la changer de sens. Regarde, au revoir. Bon, revenons aux maquettes de David. Alors, c'est quoi, ça? Ah oui, ça, c'est le système qui permet d'expliquer comment on fait avancer le tablier. David, comment on les fait bouger, là, les translateurs? Avec la seringue. On appuie. Vas-y. Et ça fait avancer le translateur. Oh, super. Oh, ça marche drôlement bien, dis donc. Oh, super. Ouais. Et celle-ci, elle sert à quoi? Ça, faut pas que tu touches. Ah bon? Oh non, mais jamais t'en rates pas une. On dirait que t'aimes ça, hein. C'est pas la première fois que ça t'arrive, tout ça, tu sais, hein. Oh, facile. Oh, j'ai une tasson bon. Oh purée! Et Jamie, qu'est-ce que c'est que cette explosion? Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est des bactéries. Approche! Mais mets pas ton doigt dedans. Oh, oh bah non, t'exagères! J'en ai partout. Ah. Ça sent bon, sans Jamie. Ça sent bon, hein? Ouais, elle a raison, ça sent drôlement bon. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien, non, rien du tout. Allez, Jamie! Allez, c'est parti! Pauvre Jamie, quand même. Hey. Oh, pardon, Jamie. C'est qu'elle est gazeuse.
et mouillé. Jamy, ça va, Jamy? Dis quelque chose. J'en ai marre, c'est toujours moi qui trinque. Attention, Sabine, il y a un requin. Attention. Pas de panique, la petite voix. Tu sais, un requin, finalement, c'est pas plus méchant qu'un boa, des mygales ou des chauves-souris vampires, hein. Surtout quand ils sont derrière une vitre. Mm-hmm. Oui, enfin, tu faisais moins la fière à côté du tigre. Ah. Ici, nous sommes dans la maison de nuit des tigres, parce qu'en général, dans les zoos, par mesure de sécurité, on ne laisse jamais. Et je peux la faire. Il m'embarque le micro. Il m'embarque le micro. Aïe, aïe, non, le fil. C'est lui le capucin. Et comme tous les singes du Nouveau Monde, sa particularité, c'est d'avoir une longue queue. Je peux peut-être te le faire comme ça, là, il va me faire une grosse bouse. C'est quoi? Je vais sacrifier mon tout. D'accord. En tout cas, qu'il se nourrisse de charognes. Chaque fois que je commence à parler, il parle, c'est con. C'est l'une des 8 espèces de couleuvres qui vit en France. Très sympa. Celle-ci, en revanche, c'est une vipère. Et pourquoi pas des éléphants roses pendant que vous y êtes? En tout cas, qu'ils se nourrissent de... Allez, viens. On va se mettre au frais à la maison. Bah quoi? Moi aussi, j'ai mon félin. Hein, Titan? Moi, toi, t'es mignonne tout plein. Bravo. Et tu me fais un bisou. Allez, on va rejoindre Fred et Sabine qui sont dans l'eau. Allez, c'est parti. Hop là. C'est ça. Et maintenant, Fred interview un dauphin. Non, mais je rêve. Allez, à vous, les studios. Ça tourne. Le gros là, tu ne l'avais pas présenté encore? Lui, c'est Kim, c'est un orque. T'es gentil, Kim, va jouer plus loin. Ok, Jamy, j'arrive. Allez, Da. Enfin, j'arrive pas tout de suite, hein. Da, tu m'attends, d'accord? Ah, ok, c'est bien, ça c'est pas mal, mais maintenant, faudra aller dans l'autre sens. C'est par là-bas. Là-bas. Eh, ah, au secours, il y a un trou. Ah. Oh, oh, oh. Tu te tais! Merci. Mais il y a un trou pour de vrai, là. Aïe! Chut! Il y a un trou pour de vrai. Je vais le rattraper. Je suis prête! Viens ici, mon petit ami, que je puisse t'observer. Aïe, c'est un peu plus près. Allez, viens, sois sympa. Mais reviens, j'ai pas fini. Viens ici. Je le tiens. Je ne tiens plus. Jamy, je crois que c'était pas une très bonne idée, hein. Je commence à avoir un peu peur. J'ai des sueurs froides. Lève. Allez, viens, Pépette. Allez, Pépette, viens. Allez, viens, ma fille, viens, Pépette. On récolte les truffes noires en hiver, et comme la plupart des champignons comestibles... Pépette, reste ici. On récolte les truffes noires... Pépette, allez, viens! Qu'est-ce qu'il y a, Pépette? C'est super, ça! Hé, Jamy! Moi aussi, j'ai attrapé des papillons! Et ça, c'est pas un papillon, c'est un phasme. Alors, David, ces maquettes, elles sont prêtes? Bah, dis donc, ça a pas l'air d'aller, qu'est-ce qu'il y a? Oh, tous ces tubes de comprimés! Oh bah ceci dit, je comprends, avec tout le boulot que tu as, tu dois avoir un sacré mal de tête, hein. Mais non, ça sert juste à faire des bulles. Des bulles? Ah d'accord, les bulles pour tes maquettes. Ah ouais, et dis donc, pour faire tous les grains de caviar qui étaient dans le grand vase, comment t'as fait? Eh bah en fait, j'ai utilisé des lentilles, que j'ai peintes une par une. Non, arrête, je te crois pas. Alors là, ce sont les plans des maquettes qui sont dessinés avant. Et voilà, justement, le pont de Mio que David est en train de finir. Eh, dis donc, David, comment tu les fais, tes petits arbres, là? J'aimerais bien leur faire pareil. En général, j'utilise du flocage qu'on se sert pour les trains électriques. Puis quand je suis un peu pressé par le temps, j'achète des éponges que je passe dans le mixeur de ma femme, ce qui la rend folle. Oh. Mais il m'arrive aussi bien, lorsque j'ai besoin de faire des fagots, genre de choses, de découper mon paillasson, ou de découper les pluches de mes enfants, ou s'ils traînent dans leur chambre. Mais t'es vraiment un monstre, hein, toi? Oh, quelle horreur! Oh, c'est malin! Bon alors, t'as fait combien de maquettes depuis le début? 10 000. T'exagères pas un peu, non, toi, hein? 10 000. Non, j'en ai fait à peu près 3 000.
Ah ouais, 3000, c'est quand même pas mal. Allez, on en revoit quelques-unes. Ça, c'est l'obturateur d'une caméra de cinéma. Eh oui. Pompéi, ses rues, ses amphithéâtres, ses atriums. Une moissonneuse batteuse signée David et qui marche. Mesdames et messieurs, les coulisses de l'Opéra Garnier avec ses décors suspendus et toute la machinerie. David a même fait la guerre de 14-18. Enfin, les maquettes des tranchées, bien sûr, avec les fils de fer barbelés et aussi les tout petits soldats. Vous allez voir les tout petits soldats qui rampent, ouais. Dans la famille des insectes, il y a la fourmi et le phasme. Et puis, il y a aussi la chenille qui deviendra papillon pour s'envoler sur les toits du Vieux-Paris ou bien butiner les fleurs. Voilà. Et voici une écluse, une termitière et des larves. Signé David. Et un raton laveur. Ah non, ça, c'est une marmotte. Marmotte? Bon, dis donc, Jamy, tu vas travailler maintenant. Je vais quand même pas faire les manips à ta place. Hein. Ah non, ça... c'est mon truc. Du coup, le seul qui peut encore pétendre, François Ier, lui, n'en démarre pas. Oh ! C'est terrible. Jésus. Bien sûr. Merde. Vasco de Gama. C'est pour cette raison que le baron a été nursommé. Jésus. Bien sûr qu'il y a une raison. Merde, pourquoi je la mets là? Il fallait produire sonner l'électricité. N'est-ce pas? C'est également l'époque à laquelle... la Bastille est tombée. Pendant la journée, le soleil se déplace sur l'horizon. Et il tombe dans la mer. Jésus, reviens. Eh oui, en Provence, les végétaux n'ont pas la vie facile. Moi non plus. Putain. Jésus, reviens. Bien sûr qu'il y a une raison. Pourquoi? Bien sûr qu'il y a une raison. Oh là là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que Jamy qui va rater des trucs. Ça ne sentirait pas un peu la cascade, ça, Sabine? Chut, la petite voix, laisse-moi me concentrer. C'est ça, c'est en cascade. T'es sûr de toi? Vas-y doucement, respire. Attention, c'est parti, reste pas devant moi, pousse-toi. Comment ça vient, t'es tombée ou quoi? La petite voix, je t'avais demandé de te pousser. Enfin, c'est jamais que la 128e fois que je tombe cette année, remarque. Hein. C'est vrai. Enfin, dis donc, je savais pas qu'est-ce qu'il y a comme ça. Salut les garçons. Salut Sabine, c'est sympa de nous avoir invité au Allez, viens. Et donc, est-ce qu'il est bien? Allez, c'est parti. Bon, les filles, jusqu'en bas. Au revoir, Sabine. À plus tard. Ok, me voilà arrivé. Aïe, deux étages plus bas. Alors, nous voilà arrivés. Du néolithique. Mais qu'est-ce qu'il y a, Pépette? J'ai oublié de vous dire quelque chose. Allez, le moteur de frein maintenant. C'est incolore et c'est inodore. Et trois. Ah merde, je suis tombé dans le trou. Les amis, je crois que j'ai trouvé un moyen super pour revenir très vite à la cité. Regarde bien, hein. Allez. Waouh, ta voix, avant de la poser, non, la ralentir. Allez, à plus. Alors, Jamy, ça t'a plu? Comment ça, mes skis glissent pas? D'abord, vous savez même pas comment ça glisse, un ski. Ça glisse. Ça glisse sur la neige. Et la luge aussi, ça glisse bien sur la neige. Elle a été trouvée en Australie. Fred, Mais dis donc, Fred, t'es déguisé en quoi, là? Bah, à ton avis, c'est un bonnet d'âne ou un bonnet de meunier? Un bonnet de meunier, non. Mais non, pas du tout. C'est un bonnet de... Père Noël?
gagné. Ouais. Tu sais, il faut savoir tout faire hein, dans cette émission. Ah, tu l'as dit. C'est vrai que des costumes, vous en avez endossé pas mal quand même, les gars. Vous vous êtes même déguisé en dessin animé. T'es qui, toi? Hey, Jamy, je suis sûr celui qui a fait le coup, t'as vu sa tête? Oh, m'appelle pas Jamy, moi. M'appelle Robert. Oui. Caviar d'aubergine. Mais qu'est-ce que c'est, ce Beans? Entrez. André, je suis ravie de te revoir. Le moteur est envoyé. Le plastique, c'est pas du toc. C'est vrai? Mais qu'est-ce que c'est, ce Beans? Oh, Fred, suspends ton vol. Oh ouais, elle est cool, la Terre. Ouais, t'as raison. Mais qu'est-ce que c'est, ce Beans? C'est qui, ça? Ah, c'est Sabine, dans 90 ans. Je suis habillé à la mode gauloise. Waouh, hyper fashion, le pantalon, j'adore. Waouh, Sabine, pas mal la collection printemps-été du Néolithique. Me voici en comtesse, prête pour les noces de Figaro. Je suis Colombine. Deux parachutes, un parachute dorsal et un parachute ventral si le premier ne s'ouvre pas. Et puis moi j'ai au moins 15 kilos sur le dos. Hé oh là les enfants, on joue pas avec les croisés. T'as vu ma nouvelle tenue? Pas mal hein? Ouais ouais, il est tout ça au début. On connaît la chanson. Voilà, je suis ému. Une médaille, moi qui ai jamais fait de sport de ma vie. Ils vont être baba à Rome. Ah, des opilums ce garçon, alors vraiment trop. Oh, la petite voix, oui. Tu serais pas un petit peu jalouse, non, par hasard? Moi, jalouse? En tout cas, je ne me promène pas en grenouille, ben moi. Qu'est-ce qu'il a, mon costume de grenouille? Il est très bien, non? Très bien, c'est vrai. Il y a eu pire. Bon, bah, tu viens, on a attendu. Allez, Lionel, vite, vite. La tête bien droite pour la lumière. Attention, un peu sourire. Raté. Je suis sûr que t'as caché les œufs de Pâques dans le poulailler. Je te connais, la petite voix. C'est pas un œuf de poule. C'est pas un œuf de Pâques non plus. Qu'est-ce que c'est? Non, fais pas ça, Jamy, non. Oh. Jamy. Oh, bah c'est malin, hein. Oh. Comment elle a fait pour me reconnaître? Il me pousse à bout. Il me pousse à bout. Oh là là, Jamy, c'est amer. Allez. Magnifique. Et pas ridicule du tout, hein. Oh, what's happened? Oh, I think I've got a mail. Bah quoi? Tout le monde peut se tromper, hein? Yes, I've got a mail from my cousin Fred. And where does he live? In France, in a truck with his friend Jamie. Jamie? Yes. My cousin? Vivement qu'on soit à l'hôtel. Un vrai hôtel. Ça fait 15 jours qu'on galère, mais alors aujourd'hui, je crois que c'est le pire. C'est de la vase. C'est ici que se déposent les sédiments de l'Amazone à marée basse. Et plus la mer se retire, plus il faut que je la refasse. Je me transforme en tapis volant. C'est parti, Jamy. C'est bien ce que je pensais. Je suis mort de rire. Arrêtez de jeter des parachutistes. Alors la petite gamelle, on va refoutre les gaz. Hey Jamy, viens nous rejoindre. Le spectacle va commencer. Viens nous rejoindre. Si tu veux, tu peux dormir dans Ça fait de ma gueule. De super dirigeables destinés à transporter de très lourdes charges. Lourde. C'est l'eau minérale et l'une de ses particularités, c'est qu'elle est gazeuse. Regardez. Et sa particularité. Jamy. Jamy, oh tu veux dire Jamy. Allez, à donf. Bon allez les sorciers, ça suffit comme ça. Je vous envoie Sabine avec du champagne. C'est vous l'avez bien mérité. Ah. Bon ben voilà, moi je l'ai faite l'émission, hein. On sabre le champagne. Allez, on y va. Ouais, allez. Mais ouais. Aïe. Oh, excuse-moi la petite voix. Oh. Eh, consommez avec modération quand même. Ouais. J'ai dit avec modération. Ouais.
Alléluia. D'accord. J'oublie pas de dire merci à tous les techniciens, les journalistes, les réalisateurs, papa, maman, fifi, sans qui on ne ferait pas tout ça, c'est sûr. Allez, bisous à tous les sorciers.